Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de La Plume à la Voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'intitule Les Liaisons Dangereuses, écrit en 1782 par Chaudhary de Jacquemus. Alors vous allez dire, non, encore un livre ennuyeux à mourir? Non, je pensais comme vous, mais plus après l'avoir lu. Vous aussi, vous allez comprendre lorsque je vais vous interpréter ces deux rôles. Je suis la marquise de Merteuil. Je manipule le pauvre vicomte de Valmont pour arriver à mes fins. Je suis libertine, ce qui me donne le choix de ma proie, en me figeant bien de ce que l'Église et leurs soumis peuvent me dire. Je suis Cécile de Volanges. Je suis sans cesse victime d'accusations fausses à mon égard. Je suis amoureuse de Danceny. Enfin, nous nous aimons, même si je sais que notre amour est impossible. Je vais vous lire un passage du texte de la lettre que j'ai préférée. Ah, mon Dieu, madame, que je suis affligée, que je suis malheureuse, qui me consolera dans mes peines? Qui me conseillera sur l'embarras où je me trouve? Ce monsieur de Valmont et Danceny? Non, l'embarras où je me trouve, ce monsieur de Valmont? L'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter? Comment vous dire? Je sais comment faire. Cependant, mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un. Et vous êtes la seule à qui je puisse, à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi, mais n'en ayez pas dans ce moment-ci. Je n'en suis pas digne. Que vous dirais-je? Je ne le désire point. Tout le monde ici m'a témoigné de l'intérêt aujourd'hui. J'ai aimé ce livre, car c'est un roman épistolaire. Je n'en avais jamais lu de ce type auparavant, mais j'ai adoré. Aussi, il y avait du mensonge, de la trahison et de la manipulation, qui ont fait de ce livre un roman intéressant, même captivant. Je vais terminer sur un dernier point. Ce livre est ancien, ce qui fait qu'il y a des mots qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Alors je le conseillerais pour des lecteurs d'au moins 13 ans. Je vous dis à plus pour une vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Au revoir.